Grâce en partie aux efforts de Goemon, l'armée d'Oda fut chassée d'Osaka. Mais Nobunaga n'était pas du genre à oublier un affront, puisqu'il ne tarda pas à envoyer ses troupes à la poursuite de son nouvel ennemi, ce qui obligea Goemon et Okuni à fuir à travers le dangereux passage d'Iga. Danse d'Issei. Ouais, toujours sur la voie okunienne, si je puis dire. Ouais, c'est chiant ça. Je me souviens que cette bataille avait été particulièrement chiante quand on a joué Okuni. Je sais pas si elle va être exactement pareille. À mon avis, elle le sera. Donc, avec... les choses dans l'ordre. Donc déjà, pour gagner, nous devons faire en sorte que Goemon et Okuni atteignent le point de fuite. Nous perdrons si Okuni ou Goemon Ishikawa est vaincu. Donc c'est une bataille de fuite. Techniquement, on n'a pas trop spécialement de temps à perdre. Alors je me souviens que... ça va peut-être être beaucoup moins difficile avec Goemon, cela étant. Mais je sais que dans le camp opposé, il y avait quand même un truc qui était le cancer. Enfin, dans le camp opposé, pas dans le camp opposé, n'importe quoi. Quand je jouais Okuni, il y avait un truc qui était le cancer... C'était que Goemon me suivait. Et dès qu'il commençait à... Enfin, il me suivait pas vraiment, en fait. Il allait jusqu'à sa destination petit à petit. Mais en fait, s'il s'éloignait trop pendant trop longtemps... du coup, Goemon ne comprenait pas... ne savait pas où était passé Okuni. Et elle était considérée comme perdue de vue. Et du coup, l'objectif changeait. Il fallait battre tous les officiers de la bataille pour gagner. Le problème, c'est que les officiers étaient disséminés un petit peu partout sur le champ de bataille, que Goemon restait au centre, et qu'il se faisait attaquer sans cesse, et que même des simples troufions étaient en mesure de le tuer. Donc ça, c'était le cancer, ça, on veut pas que ça se reproduise. Mais avec Goemon, à mon avis, ce sera plus simple, parce que là, ça va peut-être être la même chose, ça va être Okuni qui va me suivre, si Asuang Tro me considère comme perdu, et du coup, il faudra vaincre tous les officiers de la bataille. Si c'est le cas... dans tous les cas, ça a peu de chances d'arriver puisque Goemon a une attaque de porc et qu'il va réussir certainement à tuer les officiers assez rapidement sur le chemin. Donc je peux perdre mon temps à tuer les officiers en théorie, je pense. Mais si je vois qu'Okuni commence à bouger un peu trop loin, j'abandonne le combat qui sera en cours. Quoi qu'il arrive, ça c'est une chose qu'il faut que je garde à l'esprit. Donc avec nous, Okuni, Goemon Ishikawa, contre nous. Mitsui Deakechi, Ranmaru Mori, Anzo Hattori, Kazumasu Takigawa, Nagaide Niwa, Nobutada Oda. C'est parti. On essaie de fuir. Ise Nagashima. Faut que je continue de courir. C'est tout ce que je peux faire. Eh bien, alors j'accepte de me joindre à toi. D'accord. Laisse-moi faire. Avance, mais sans t'éloigner d'Okuni. Donc normalement, elle devrait me suivre de toute façon. Je vais l'attendre ici. Ce n'est pas un endroit où une femme aimerait se perdre. Ça veut dire que je me suis trop éloigné, ça, sûrement. Ouais, comme ça donne une idée un peu de la distance. Eh bien, alors j'accepte de me joindre à toi. Ouais, quand Okuni dit ça, c'est qu'elle est sur le point de me perdre de vue. Donc faut que j'avance avec elle. Qu'elle reste suffisamment près de moi. Allez, Kazumasu. Pour une fois, il faudrait que tu sois pas loin derrière, effectivement. Puisqu'il faut qu'on arrive à faire en sorte d'avancer. Ok, ça c'est un bastion imprenable. Okuni, elle est là. Allez, viens Okuni, dépêche-toi. Putain, qu'est-ce qu'elle est lente. Okuni!
Ouais, j'ai l'impression qu'Okuni a un peu plus envie de tuer les officiers sur le chemin. Enfin, les soldats sur le chemin. Genre le moindre troufion. Qu'est-ce que tu fais, Okuni? Pourquoi tu retournes en arrière? Oui, reviens. Et on se dépêche. Non mais Okuni, tu branles quoi, là? Ah non, sérieusement, tu veux tuer juste ce petit troufion, là? Dépêche. On n'a pas que ça à faire, Okuni. Je vais attendre un peu. Kosuke. Okuni, on y va. Prépare-toi. Je suis prêt. Élimine Ranmaru Mori. Ok. Je savais que tu passerais par ici. Comment t'as su? Je ne serai pas loin derrière. Ouais, alors j'ai juste l'impression que Okuni fonctionne différemment de Goemon. Hein. J'ai échoué dans mon devoir. Elle veut vraiment tuer tout le monde sur le chemin. Donc, on va devoir le faire. Je dois me replier pour le moment. Seigneur, quelle force! En avant. Putain, Okuni qui reste planqué derrière là, qu'est-ce que tu fous, Okuni? Avance! Crénom de salope! Oh, c'est bon, je me suis pas tant éloigné que ça. Bien, alors j'accepte de me joindre à toi. C'est bon? On n'est pas loin. Nagaide Niwa. Nagaide, il est où? Il est là. Ah bah, bravo Okuni. Okuni qui m'a volé mon kill. Salope. Ok. Ici, ça s'enfuit. Okuni, tu fais quoi? Ok, il y a des troufions. C'est bon? Maintenant que j'ai dit qu'on a tué les troufions, on peut avancer. Dépêche-toi, Okuni. On a encore beaucoup de chemin. Elle fait demi-tour ou je rêve? Okuni! Ah, tu me blases, Okuni, tu me blases. Allez, on traverse ce pont. Et normalement, on peut pas passer par le nord, si je dis pas de conneries. C'est fermé, on va être obligé de passer par le centre. Une unité de ninja est apparue. Fuck. Quelle force!
Ninja de cul. Ok, Okuni. Oh putain, sérieusement? Encore des ninjas? Je pensais qu'on les avait tous éliminés. On va nous prendre encore Thèse là, non? Ah non, En fait, ils vont d'un bastion à l'autre, j'ai l'impression, les troupes là. C'est une espèce de patrouille. De pseudo-patrouille. Qui sort du bastion du sud pour aller au bastion du nord. Et du coup, s'ils nous croisent sur le chemin, bah ils nous tuent, mais sinon, tant pis. Mitsuhide. Voyons ce que vous avez dans le ventre. Tu crois y t'en tirer aussi facilement? Je garantirai ta sécurité. Prends-toi. Tu garantiras ma sécurité face à Nobunaga? T'as de l'espoir. Je me replie pour le moment. Adieu, Mitsuhide. Nous n'avons pas le choix. Revenons-nous pour le moment. Ah, c'est bon, j'ai réussi à le tuer à coup de fesse. Allez, go, Okuni. Il y a encore plein de troufions sur le chemin. Fais chier. À cause de ta gainesse, on est obligé de les éliminer. En garde. Prêt, partez. Ou c'est peut-être en garde, tout simplement, d'ailleurs. Vous vous enfuyez, vous? Bon, bah, fuyez. Qu'est-ce que tu fais, Okuni? Bon, c'est juste qu'elle a un mauvais pathfinding et qu'elle essaie de retrouver son chemin. Bon. Ok. Allons-y, Okuni. Okuni! Ah oui, non, la sortie est par là. Pour une fois qu'elle a raison. Enfin, sauf qu'elle galère apparemment à traverser à cause de cette barricade. Là. Allez, dépêche. Moi j'ai le temps de charger mon mezou. Allez. Elle est un peu lente la demoiselle, hein. Traverse le pont, dépêche. Ok, en avant. Connard. Enfoiré. Enfoiré. Oh, merci. Je ne pensais pas compter autant pour toi. Non mais j'ai pas bougé, hein. C'est toi qui es venu à moi.
Hanzo, le voilà. Accepte ton destin. Le maître a ordonné ta mort. Je l'emmerde, ton maître, d'accord ? Et toi aussi. Si tu le dis. C'est bon, Okuni, il n'y a plus de troufions, on peut avancer. Il y a un item que j'ai pas pris là, l'XP. Hop. Allez, on traverse ce pont. On est quasiment arrivé au point de fuite. C'est un peu le cancer d'escorter une grognasse comme toi, mais bon. Je crois que c'est regarde. Regarde, prêt, partez. Okuni ? Elle est en train de combattre un troufion, un archer. Allez, go ! Nobutada Oda. En train de dégager la voie pour toi, Okuni. Pas d'embuscade, ça m'étonnerait. Je vais attendre un petit peu. Dans le trou. Oh bah il y a peut-être pas d'embuscade, hein. C'est possible aussi. Tant mieux, si on arrive au bout, sans encombre. Allez, je suis au point de fuite. Ne laisse passer aucune troupe ennemie. Ok. On se la joue à la Changban. Ça, ça change par rapport à la bataille d'origine, du coup. Enfin, la bataille avec Okuni, quoi. Personne ne passera.
encore des troupes d'Oda. Sors du champ de bataille, toi. Fuyez, pauvre fou. Victoire. Je m'en suis sorti vivant. Je me demande si Okuni s'en est bien sorti. Alors, reste plus qu'à vérifier ça. Quel spectacle! Quel beau spectacle! Okuni victorieuse. Eh oh! Comment ça, on me met au deuxième plan? Ça suffit, non? Je me fais voler la gloire par Okuni. Salope jusqu'au bout, celle-là. Coup basique, choc, blason, turbo, domino. Allez, on se retrouve pour la bataille suivante.